C'est avec une conviction profonde, en ma qualité de ministre de la Santé publique et de la Population, que je viens saluer les résultats exceptionnels observés suite à la réalisation de la session ordinaire des examens d'État du 3 septembre dernier dans le domaine des sciences infirmières. Nous sommes réunis non seulement pour honorer les réalisations individuelles, mais aussi pour souligner l'importance cruciale des soins dans notre pays. Ces événements nous permettent d'honorer et de saluer l'intelligence, l'effort, le dévouement et la passion qui ont conduit des étudiants à atteindre un sommet académique remarquable. En cette ère où les défis dans le domaine de la santé nous sont nombreux, votre engagement envers l'excellence est essentiel. Éprouve votre détermination exemplaire et votre compréhension profonde de l'importance de votre rôle dans notre société. Chers lauréates, le secteur de la santé évolue rapidement. Votre savoir, votre dévouement et votre compassion sont des piliers importants de notre système de soins. En obtenant votre permis d'exercer, vous devenez les gardiens de la vie, les soignants qui apportent réconfort et guérison aux moments les plus critiques de la vie. La société a non seulement besoin de professionnels de la santé qui comprennent leur domaine, mais qui sont également dotés d'une éthique irréprochable et de l'empathie nécessaire pour apporter des changements significatifs dans la vie des gens. Il faut reconnaître que le succès individuel ne se produit pas dans l'isolement. Derrière chaque professionnel de la santé, il y a un réseau de soutien, collègues dévoués, mentors inspirants, membres de la famille encourageants. Aujourd'hui, nous saluons également ces personnes qui ont contribué à votre succès. Le ministère salue les institutions dont le corps professionnel a consacré temps et énergie pour vous guider dans vos savoirs. Aux parents et membres de la famille présents, vos encouragements et votre compréhension ont assurément été des éléments essentiels du parcours académique de vos progénitures. Que cette marque de distinction serve de récompense pour vos efforts, mais aussi une incitation à poursuivre cette voie d'excellence.